À l'occasion des Insolivres, la médiathèque a une nouvelle fois organisé un florilège d'animation destiné aux enfants. Les classes de CP et CE1 ont pu découvrir ICO, proposé par la compagnie Coconuts, un spectacle qui a la particularité de mêler les marionnettes, le théâtre d'ombre et la chanson. La conteuse a su embarquer les 40 enfants dans ses histoires de bateaux. Une classe mélangeant CE2 et CM2 a participé à un rallye lecture à la recherche du trésor des Templiers. Aidés par un vieux sage énigmatique et par une sorcière farfelue, les élèves ont finalement découvert les secrets enfermés dans l'enceinte de la médiathèque quatenomoise. Le collège Charles Péguy s'est également impliqué dans l'opération Insolivre. La classe de 6e 3 a proposé aux CM1 et CM2 une série de lectures illustrées par des images projetées sur les murs, ainsi qu'une lecture mimée par des élèves masqués. Encadrés par Madame Dreyer et Monsieur Sosansky, les collégiens ont également joué deux pièces de théâtre. Une qui racontait l'histoire d'un peintre arnaqueur, et l'autre l'histoire d'un élève passif, au demeurant, mais très actif et habile quand il s'agit de recevoir des bonnes notes. Particulièrement fière du travail réalisé par les élèves au cours des accueils de classe, l'équipe de la médiathèque a décidé d'exposer ses réalisations. Aux activités autour du livre s'ajoutent les créations des jeunes adhérents de la médiathèque participant aux activités artistiques du mercredi avec Laurent Périgny. On a imaginé un parcours de visite en fait, où les visiteurs seraient guidés par des traces de pieds sur le sol qui permettaient de voir une évolution des activités des classes. Donc ça commence par les marque-pages des CPCE1. Ensuite, on voit le travail, les Kamishibai des CE2, donc les Kamishibai, petit théâtre d'images. Ensuite, on passe au jeu des expressions, donc toujours des CE2. Et puis, on montait, il y avait des articles de journaux rédigés par des CM1. Avec les CM2, on a aussi réalisé des livres accordéons. Et ensuite, on descendait donc en salle d'animation où on pouvait voir les activités du mercredi de Laurent et les BD des collégiens. Invités à visiter l'exposition, les classes ont également pu découvrir l'histoire du film d'animation et ses techniques toujours plus avancées de création grâce à un historique partant du premier Félix le Chat jusqu'au tout récent Avatar. En plein mois de fête de la musique, la médiathèque souhaitait mettre de l'ambiance musicale dans ses espaces livres et multimédia et s'est donc associée à Quatenom Loisirs Culture pour proposer les premières portes ouvertes à la médiathèque. Nous avons organisé des portes ouvertes à la médiathèque pour permettre au public qui n'est pas de Quatenom de pouvoir venir visiter la médiathèque dans une ambiance musicale qui a été faite grâce aux professeurs de CLC et également en leur permettant de voir l'activité artistique réalisée par Laurent Périgny tous les mercredis à la médiathèque. Sur fond musical, orchestré par les professeurs de CLC et guidé par les bénévoles de l'association Arcade, une centaine de personnes est venue découvrir l'exposition des réalisations des élèves et des adhérents, ainsi que des photos du bâtiment du 39 rue des Châteaux avant la rénovation. Pour couronner cet après-midi, la cour du château a été le théâtre d'un grand spectacle concocté par CLC qui a mis en scène tous les enfants des activités musicales de l'association, accompagnés par les musiciens des harmonies juniors et adultes.